Le décès de Marwan Bereni, retrouvé sans vie en octobre 2023, avait laissé le casting de Plus belle la vie sans voix. Vendredi 19 avril 2024, BFM TV a indiqué que l'enquête en charge de la recherche des causes de la mort du comédien avait été classée sans suite, confirmant la thèse du suicide. Un destin tragique. La vie de Marwan Bereni, l'interprète d'Abdel Fedallah dans Plus belle la vie, a pris un tournant dramatique en août 2023. Une femme de 37 ans avait alors été percutée par un véhicule à Mâcon, Saône-et-Loire. Gravement blessée et souffrant de nombreuses fractures, elle avait écopé d'une incapacité totale de travail de 28 jours. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite et n'avait pas pu être identifié au moment de l'accident. Deux jours plus tard, samedi 5 août 2023, un véhicule abandonné au bord d'un champ correspondant au signalement impliqué dans la collision avait été découvert à 20 km de l'accident. Les enquêteurs avaient retrouvé à l'intérieur de l'engin des papiers d'identité appartenant à Marwan Bereni, déclaré disparu depuis l'accident. Deux mois après, en octobre 2023, le comédien avait été découvert, décédé par pendaison, dans une maison inoccupée de Corcelles en Beaujolais, Rhône, à 6 km de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée en août 2023. Des analyses ADN avaient confirmé son identité. Le double drame d'une famille, la disparition et le décès du comédien de 35 ans avaient profondément ému ses homologues du casting de Plus belle la vie, notamment dans un contexte où Michel Corde, l'interprète de Roland Marcy dans la série télévisée, s'était donné la mort par arme à feu quelques mois plus tôt, en mai 2023. Vendredi 19 avril 2024, BFM TV a révélé que l'enquête pour recherche des causes de la mort de Marwan Bereni a été classée sans suite, au motif de l'absence d'infraction, reprenant un communiqué de Laetitia Francard, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône. En effet, selon la procureure, la procédure a démontré que les constatations réalisées lors de l'autopsie sont compatibles avec une mort violente par pendaison, sans éléments permettant de faire suspecter l'intervention d'un tir. L'autopsie a notamment pu confirmer que le décès serait survenu au début du mois d'août 2023. La fratrie Bereni a été touchée d'un triste sort. En 2013, le frère de l'interprète d'Abdel Fedallah dans Plus belle la vie, Bilal, âgé de 23 ans, avait été retrouvé assassiné à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Il y exerçait son métier de peintre urbain, graffeur et dessinateur sous le pseudonyme de Zoo Project.